Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, elle va être très courte la vidéo. J'ai pas le temps. La nuit a été courte. Et nous avons une belle soirée plaisante. Et mais je vais d'abord remercier le Dormouse qui m'a envoyé ceci. Le Kurt Vonnegut Junior. Abattoir 5, qui est un livre sur dénonciation, en fait. Des horreurs de la guerre, et en particulier le personnage principal est hanté par ce qui est convenu d'appeler le plus grand bombardement de l'histoire, celui de Dresde. Et fait à noter, le bombardement de Dresde est le fait en grande partie des Canadiens. Et notre relation par rapport à ce fait historique est ambiguë. Car d'un côté, nous aimerions bien projeter l'image d'un peuple profondément pacifique qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et de l'autre, nous savons bien que ce peuple-là, absolument pacifique, sont condamnés à avoir un avenir, douteux. Alors, nos historiens partagés entre l'envie d'en faire l'apologie et partagés entre l'envie d'en dissimuler l'abomination. C'est bien canadien, ça. Alors, je te remercie de dormir. Je vais t'envoyer un petit mot en privé d'ici une journée ou deux. Les journées sont très, très surchargé par les temps qui courent. Et dans le prochain mois, nous entrons dans une espèce de sprint. Beaucoup, beaucoup de projets en cours qui va se terminer. La première moitié de l'année va se terminer par un feu d'artifice. Non pas comparable à celui de Dresde, fort heureusement. Je voulais un tout petit passage tiré de ceci de Peter Sloterdijk. Voilà. Un tout petit passage. À partir de maintenant, il existe un contrepoison vérifié de plus à la dépression. Des psychologues empiriques prétendent avoir établi le fait que l'interruption volontaire d'attitudes moroses ou le fait de les perturber par un divertissement intentionné, indépendamment du contenu des processus mentaux, mène en peu de temps la grande majorité des personnes testées à une amélioration manifeste de leur état. On pourrait traduire ça par arrêter de s'écouter. Quand on voit ces jaillissements, ces geysers de tristesse apparaître dans le désert de notre vie, eh bien, ne pas y accorder plus d'attention qu'il n'y faut, s'en détourner même, par des activités ludiques, par des activités diététiques, prendre une douche, se raser, aller se balader, lire un bon livre, s'exposer au soleil, avoir des relations amicales, faire l'amour, quoi d'autre? Aller dans un bon restaurant, même si nous n'en avons pas les moyens. Tout faire ce qui est en notre pouvoir afin de déjouer cette mécanique de la tristesse. Sloterdijk poursuit. Les gens à l'esprit léger l'ont toujours su, eux qui refusent spontanément toute réflexion portant sur des sujets sombres. Ce qui montre que l'habitus joue aussi un rôle clé dans la névrose. En poussant les choses à l'extrême, la névrose n'est qu'une mauvaise habitude.
parmi d'autres et peut, avec un entraînement approprié, être remplacé par une meilleure. Dans la thérapie, enfin, la morale est également au pouvoir. La réflexion n'est prescrite que dans les cas où l'on aimerait qu'un acteur se sente plus coupable. J'ai failli dire capable. Chez les autres, la bonne vieille des réflexions, en termes communs, le divertissement constitue le commandement de la raison. Ouais, bon, la névrose, une mauvaise habitude parmi tant d'autres. C'est sûr, on pense à la formule également de Plotin, qui disait « Ne cesse de sculpter ta propre sculpture. » C'est-à-dire un coup de marteau volontaire, on se transforme. L'habitus, c'est les habitudes que l'on prend. Je comprends parfaitement ici ce que veut dire Sloterdijk. Et je m'aperçois qu'autour de moi, beaucoup de gens ne veulent pas guérir de leur névrose, du malheur. Et là, la question que je me pose toujours, c'est quoi le gain? Quel est l'avantage de cette névrose, de la morosité? Qu'est-ce qu'on y gagne? Est-ce que la belle image que nous avons de nous-mêmes est préservée? Est-ce que, c'est-à-dire la position de victime, les victimes, je le sais, je le répète, j'en ai heurté plus d'un en affirmant ceci, les victimes n'ont aucun avenir. Jamais. Et il s'agit là, à ce moment-là, de prendre tous les moyens à notre disposition pour enfin transformer notre vie. Si nous sommes heureux, eh bien, acceptons-nous tels que nous sommes. Si nous ne le sommes pas et que nous n'avons aucun gain dans cette contemplation de notre propre malheur, eh bien, changeons une fois pour toutes. Alors, tiré de Les Lignes et les Jours, courte vidéo, j'ai pas le temps, je suis en retard. Et voilà, vous connaissez la suite.